Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Psaume 118, strophe 2. Sur tes préceptes, je vais méditer.
Psaume 14. Psaume 15. Esprit de
Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire. Qui montera pour nous à la chercher dans les cieux? Cardinal Martini, s'ouvrir à la parole du Christ. J'aimerais que tous aient la possibilité de se promener quelquefois tout seul, là où il n'y a pas de vitrine pour stimuler la curiosité et les caprices. Se promener seul pour goûter la paix, prendre les distances par rapport à l'immédiat et affronter les grandes questions. Pourquoi toute cette beauté? Pourquoi tant de souffrances? Et ma vie, pourquoi? Que pourrais-je faire de mon avenir? Ce sont des moments de grâce où l'on apprend les paroles de reconnaissance et où les cœurs se disposent à l'écoute. Il faut apprendre à nous regarder et à regarder tous les autres comme les mystères de Dieu qui se manifestent. Arriver à cette vision de foi qui nous permet de découvrir la révélation de Dieu dans notre histoire. Alors nos problèmes, les difficultés, les antipathies, la peine, les fatigues, les ennuis, les mauvais temps, les moments gris de la journée, la maladie, tout ensemble nous révélera la présence de Dieu dans notre histoire. Mon Dieu, je te prie de réveiller en moi les désirs que j'ai de toi et qui est vraiment le plus grand désir de ma vie. Thank you.
Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Soyez sans crainte, désormais je prendrai soin de vous et de vos enfants. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Lecture du livre de la Genèse. Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais être réuni à mon peuple. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme domaine funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites, avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni à son peuple. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent : si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils envoyèrent dire à Joseph : avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph : de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés, tout le mal qu'ils t'ont fait. Maintenant donc, pardonne le crime des serviteurs du Dieu de ton père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent : voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit : soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu ? Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en tirer du bien, afin de préserver aujourd'hui l'existence d'un peuple nombreux. Soyez sans crainte, désormais je prendrai soin de vous et de vos enfants. Il les réconforta par des paroles affectueuses. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères : je vais mourir. Dieu prendra soin de vous et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Nous arrivons aujourd'hui au terme du parcours du livre de la Genèse tel que nous le donne à vivre la liturgie. Aux deux extrémités de ce passage, une mort, celle d'un père et celle de son fils, et les paroles qui accompagnent cette mort. « Je vais être réuni à mon peuple », proclame Jacob. « Je vais mourir », dit simplement Joseph. Mais alors que Jacob semble rester tourné vers le passé, Joseph regarde au contraire vers l'avenir. Tout le discours de Jacob, en effet, concerne sa tombe. Il la décrit, rappelle comment elle a été acquise à prix d'argent, cite les membres de la famille qui y reposent déjà, ordonne d'y être lui-même enterré. Joseph, lui, ne s'exprime pas au passé, mis à part pour rappeler la promesse de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. Il parle au futur. Et ses paroles sont des paroles d'encouragement et de bénédiction envers ses frères, ce qu'elles ont toujours été depuis leur retrouvaille en Égypte. Alors que ses frères, toute leur vie, ont craint qu'ils ne reviennent sur le pardon qu'il leur avait donné, lui, Joseph, toute sa vie, les a rassurés, en leur répétant des paroles bienveillantes. Soyez sans crainte, désormais je prendrai soin de vous et de vos enfants. Et à sa mort, Dieu prendra soin de vous.
c'est que Jacob, lui, s'appuie sur le passé, sur le droit d'aînesse qu'il a acquis par ruse, sur la bénédiction transmise depuis Abraham et à travers Isaac. Il fait mémoire et c'est légitime. Mais pour Joseph, au contraire, la Bible ne nous raconte aucune bénédiction particulière le distinguant de ses frères, aucune transmission officielle, rituelle de la promesse de Dieu. Il n'en est d'ailleurs pas le seul bénéficiaire, puisque désormais ce sont tous les descendants de Jacob qui en sont les héritiers. À lui, Dieu ne s'est pas non plus manifesté dans un dialogue et une rencontre directe comme à Abraham et à Jacob. Dieu lui a juste parlé à travers quelques rêves, mais sans même apparaître lui-même dans ses songes. Joseph est le premier de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu par oui dire, simplement au nom de leur appartenance au peuple de la promesse. Et pourtant, il est celui qui s'est le plus conformé à la volonté de Dieu. Par sa candeur, quand il racontait ses rêves à son père et à son frère, sans imaginer qu'il pourrait en prendre ombrage. Par son honnêteté, quand il refusa la liaison que lui proposait la femme de son maître égyptien. Par sa fidélité et son ardeur au travail, quand il organisait la mise en réserve et la distribution du blé d'Égypte. Et surtout par son pardon envers ses frères, son pardon jamais repris et redonné tout au long de sa vie. Frères et sœurs, que la foi de Joseph dans le Seigneur, si éprouvée, mais qui a été récompensée en rencontrant la fidélité de Dieu, soit pour nous une lumière, un modèle et un appui. Seigneur, souviens-toi. Ave Marie, Seigneur, souviens-toi. Marie, Reine du ciel, nous te prions, intercède pour ceux qui se réuniront aujourd'hui avec Jacob dans la demeure éternelle.
Que le Seigneur leur accorde une mort dans la paix et la foi. Marie, étoile du matin, nous te prions. Intercède pour les familles déchirées par la jalousie et la méfiance. Que le Seigneur les guide vers le pardon et la réconciliation. Marie, promesse du peuple d'Israël, nous te prions. Intercède pour tous les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que le Seigneur donne la paix à leur pays en conflit. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.